Salut à toutes et à tous, c'est Arnor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, encore une fois, et aujourd'hui donc on va aller encore une fois sur un jeu indépendant, et cette fois ce sera Evoland, un petit peu plus connu, enfin en tout cas moi, c'est parce qu'on m'avait parlé de ce jeu, que j'ai été voir, et il a l'air franchement très sympathique. Mais par contre je pense pas que je pourrais en faire une seule vidéo dessus, donc je pense que pour le faire en complet faudra environ 2 voire 3 vidéos, donc à voir sinon le jeu complet. Donc c'est un jeu qui est fait par Shiro Games, voilà. Donc je vais faire une nouvelle partie. Touche droite. Donc en fait vous commencez, vous êtes dans un vieux jeu 8 bits, c'est crade, du coup on n'a rien par la touche droite au début, voilà, on a la touche gauche, je vais juste enlever ma souris. Maintenant je peux aller à gauche et à droite. Maintenant je peux me déplacer en 2D. Donc ce que j'adore dans ce jeu, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est Evoland, c'est qu'il évolue tout le temps, et en fait on voit vraiment l'évolution du jeu vidéo de hier à aujourd'hui, et c'est vraiment bien fait. Là on a le scrolling, donc on peut changer d'écran, de tableau. Un nouveau coffre, et chaque coffre nous apporte quelque chose de nouveau, comme là si vous écoutez bien. On a les bruits de pas et tout le reste, les effets sonores, tout ça. Scrolling homogène, donc maintenant nous pouvons nous déplacer sans que ça change d'écran à chaque fois. Ce qui est un peu mieux. Une épée. Alors c'est espace pour taper. Donc voilà, au début on est vraiment dans un jeu très basique. Monstre, il y a des monstres. Je crois pas que je peux encore détruire ce genre de choses. Je sais même pas si je pourrais. Donc maintenant on a des monstres, mais on n'a pas de vie. Donc c'est le one shot. Mais ils déplacent ils se déplacent. Je sais plus. Ils se déplacent, voilà, comme ça. Ah. Premier top 50 depuis 2012. Ça c'est un point de sauvegarde, il marche pas. Ah voilà, un point de sauvegarde. Tout votre stress disparaît, oui ça oui. Enfin là ça va encore mais... Ok. Donc on a le point de sauvegarde, donc je vais quand même regarder si, y a pas un... si on peut quand même s'en aller par les côtés. Un petit pont. Ah un coffre, qu'est-ce que c'est cette fois? Une étoile, oui, donc il y a des étoiles à récolter pour finir le jeu vraiment à 100%. Et un jeu de cartes apparemment. Bon. Ça après, c'est pas trop le but de mes vidéos. Je vais pas essayer de finir le jeu à 100%. Affichage 16 couleurs. Ça change beaucoup de choses, juste la couleur. Parce que le nombre de pixels n'a pas vraiment changé, je crois pas. On a quand même 16 couleurs quoi. Mais ça va s'améliorer de plus en plus. Ça ressemble vraiment au vieux jeu du style Zelda avec chauve-souris. Ah ouais, c'est des déplacements diagonales. Donc j'ai pas de bombe, je vais pouvoir péter le caillou. Un point de sauvegarde, un coffre, qu'est-ce que c'est? Oh, une introduction. Après des siècles de paix, un mal ancien surgit et menace le monde d'Evolandia. Cherchez. Vous êtes l'un des rares membres de l'Ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. Ah, puis on peut accélérer. Une histoire, nous avons une histoire dans le jeu à présent. Ah, un coffre, ça doit sans doute être une étoile. Une étoile, je sais plus combien il y en a, il doit y en avoir une cinquantaine, quelque chose dans ce genre. Donc je pense que je ferai 2-3 vidéos de... Ah, des 56 couleurs. 2-3 vidéos de 20 minutes, je pense que ça suffira. Je suis pas sûr, mais au pire une demi-heure maximum. Enfin, j'ai un compteur avec moi. Un panneau! Ça tombe bien, vous savez lire. Ah! Non, non. Ah! Si
chemin est réservé aux aventuriers agiles. Mais parce que là, on a toujours pas de cœur de vie. Ça va venir normalement. Donc c'est le one shot assuré. Le passage est bloqué par la pierre dimensionnelle. Essayez du magasin. Mouvement libre. Ah ça y est, on peut se déplacer autrement. Donc à droite. C'est pas tranquille. Méchant poulpe. Par là? Ah oui, par là. Oh non, c'est méchant. Inventaire. Bon, du coup, j'ai pas encore de bombe. Méchant, méchant. Meurs. Non. Mais... là. Ils font penser à ceux dans Zelda qu'on ressuscite avec une bombe. Ouf. Je vais péter le caillou en tuant le monstre. Carte du monde. Là, c'est très Final Fantasy. Bataille au tour par tour. Du coup, c'est pas... voilà. Ça change totalement de... Nous n'avons toujours pas de nom. Nous appelons point d'interrogation. Fois 4. Slime. Méchant. Yeah. Donc oui, c'est vraiment un jeu qui retrace l'évolution des jeux, surtout du type RPG. Hein. Mode 7. Là, on est vraiment dans un style Final Fantasy. Avec l'écran du dessus un peu incliné. C'est vraiment bien. Les anciens, les premiers. Enfin, les premiers. Je sais pas trop vers le côté numéro, je dirais peut-être. Je me souviens plus exactement. Bon, il va me faire crever ce slime là. C'est ça qu'on dit. Oh, un coffre. Nom de lieu. Presque aussi bien que Google Maps. Oh, c'est presque aussi bien que Google Maps. Bonjour, nous sommes dans la prairie. Hein? Ça me fait pas de mal. Tiens, dans les fesses. T'en veux? Non. Non, 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 non. Ah, mais. Voilà, meurs. Oh, il y en a 4. Et ils sont pas énormes. Yo. Yo. Oh. Merde. Oh non, game over. C'est pas grave. On va revenir à la prochaine dernière sauvegarde. Voilà ce qui arrive quand on fait idiot. Je vais en faire un à la fois. Non, non. Non, non, non. Sois gentil. Voilà. Là, voilà. Non, 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 non. C'est très stressant quand on se fait tuer en un coup. Non, non. Putain. Tu vas périr par ma lame. Coffre ouvert, tuer tous les monstres. Permet d'ouvrir des coffres. Comme dans Zelda, dans les salles des donjons. Ah le là. Un village de Papunica. Un coffre. Du PNJ. Désolé, je ne parle pas aux enfants. D'accord. Je suis un enfant qui est parti à l'aventure. Je vais jouer avec d'autres enfants, mais vous voyez pas, j'ai une épée dans mon dos. Ça va se vient un petit peu changer l'interface. On peut faire attention. Bonjour. Je n'ai pas aux enfants, mais allez tous vous faire. Hein. Vous faire shampouiner. D'accord, d'accord, tu parles pas aux enfants, mais je vais trouver un moyen. Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants. Si seulement j'avais une graine de croissance, je ne serais plus un enfant. Elle est tombée dans le puits. Moi, je ne veux pas y aller. Ouais, donc si je trouve ton puits, je vais te piquer ta graine, puisque tu veux pas y aller. Ah, une étoile. Non, maison ouverte. Peut s'incruster, mais on va déjà chercher le puits, qui sera sans doute la meilleure des solutions. Mais encore faut-il le trouver. Ouh, excusez-moi, il a baillé. Le sommeil. Les enfants devraient être couchés. Oh, c'est pas ferme. Je descends dans le puits. Oh, une graine de croissance. Vous avez trouvé une graine? Voulez-vous la manger? Oui. Ouh, hop. Je suis le même, en plus grand. Coucou, je suis un duc. Ouais, nanana, des bruits. Une jeune fille est passée il y a quelques temps, un ami peut-être? Non, j'ai pas d'amis. Porte fermée, je peux y aller. Les cavernes mineures sont dangereuses, on dit que la fantôme de Kefka... Kefka... Pour ceux qui connaissent Final Fantasy, dans le 6, Kefka...
Une carte. Je peux à présent jouer aux cartes. À nouveau, j'ai deux cartes. Je crois que j'ai mon deck. Je crois que mon deck est plein. Bonjour. Il y a des monstres puissants sur la route. Il faudra un meilleur équipement. Oh, vous m'embêtez là. Meilleur équipement, meilleur équipement. Pour trouver un meilleur équipement, faut que je trouve un magasin. Bonjour. Bienvenue au village. Je passe un bon séjour. PNJ utile. Oh, bordel. Je vous jure, c'est pas possible. Vendeur. Je veux acheter une épée longue. Vous avez acheté l'objet épée longue. Ouais. T'as quoi d'autre à vendre? Je veux l'armure de cuir. Toujours mieux que rien. Bon. Est-ce que je peux aller voir la... Ils sont pas drôles avec les enfants. Oui, bon, c'est bon. Tu me l'as déjà dit, c'est bon, arrête de parler. C'est embêtant, les enfants. Qu'est-ce donc? Aubergiste, vous pouvez vous reposer, c'est gratuit. Pour zéro, ouais, je me repose, pas de soucis. Youpi, sauvegardez, oui, vas-y. Soyons fous. Vends-moi du rêve. Nous sommes déjà à 10 minutes de vidéo. Si j'arrive jusqu'au dernier boss, ce serait peut-être sympa. Et j'aimerais bien entrer dans cette maison. La jeune fille est passée. Oui, mais j'aimerais bien. Elle est peut-être partie en fait. Mais oui, je vais parler au monsieur. Bonjour, je peux partir? Attention au monstre, d'accord. Je m'en fous, moi. Parce que moi, je suis un adulte avec une épée et une armure. Oula. On est un peu grand. Combat forcé. Ouah! Quelqu'un appelle la dead! Bah, elle peut pas demander de l'aide, elle est morte! Bon. Je me fais attaquer par des taupes avec une fleur sur la tête. Non, des taupes rares. Avec une fleur sur la tête. La taupe-piqûre d'un univers parallèle. Oui, des sous! Hop, elle est vivante! J'ai besoin du pouvoir du cristal de la caverne pour sauver mon village, peux-tu m'aider? J'ai pas trop le choix. En fait, mon nom est Kairis. Ah, c'est un beau nom. Combiné Kairis de Kingdom Hearts avec Kairis de Final Fantasy VII. C'est sympa. Une caverne de cristal. Nous devons trouver le cristal. Son pouvoir peut changer de promenade et combattre le mal qui menace mon village. Au fait, j'ai oublié de te demander ton nom. Moi, c'est Klink. Oh là là. Mélange entre Cloud et Link. Monstre des cavernes. Serpent! Cobra Zéro! Tué par une petite baguette. D'une petite fille. Bon. Par là, qu'est-ce qu'on a? Serpent! Tu vas mourir! Trop fort. Ah, un coffre. Je peux pas y aller. Pourquoi y a un coffre si on peut pas y aller? Parce qu'il faut passer par un autre chemin, pardon. Et. Hein? Skaven! J'appellerais ça des rats taupes fleurs. Je sais pas trop. Ah, coffre. Point d'expérience. Ah, ça c'est bien. Pour gagner des niveaux à présent, nous allons XP. Meurs. Magie. Soin. Ouais. Ouais. Bon, du coup, t'as perdu la vie que tu viens de récupérer, mais c'est pas grave. Ouais, niveau 2. Je pense que je vais aller loin dans la vie maintenant. Une fontaine de vie. Je n'en ai pas tellement besoin, mais... Ça sauvegarde, quoi. Meurs. Raté. Même elle, elle rate pas. Raté. Et toi? 19. Oui. Je sens que c'est par ici. J'ai ce pressentiment au fond de moi qui me dit que j'étais dans un cul-de-sac. Tu es mort. Soin 6. Elle a perdu plus qu'elle avait bien récupéré. Un bouton. Ah, laissez-moi vivre. Laissez-moi tranquille. Tiens. Elle fait mal, dis donc, ta gamine. La gamine, la dame. Bouton. Quelque chose s'est ouvert, mais où? J'ai ma petite idée. Mon petit doigt me dit que c'était cette espèce de mur. Je ne le ferai qu'après ce combat contre les vilains serpents.
Cobra Zero. Ah. Tiens, meurs. Oui. Dis donc, je vais t'en passer. Cristal! Vous avez réveillé le gardien du cristal. Fantôme de Kefka. Il a l'air costaud, il garde le cristal depuis des siècles. Mais on dirait qu'il était corrompu par un pouvoir magnifique, probablement même qui attaquait dans le village. Nous avons mis le cristal. Un assaut! Meurs! Ah, il bouge! Il est encore plus terrifiant maintenant. Soin! Avec ça, nous sommes invincibles. Notre stratégie est immuable. Nous ne pouvons pas l'attaquer pendant qu'il est blanc. Non, non, ouais. À l'assaut. Soigne-toi. Que va-t-il faire? Il va m'attaquer? Non, tiens. Tiens. Aïe. Tiens. M'en fous si tu la tues. C'est pas elle qui fait les dégâts. Ah ah, tout ce qu'elle fait, c'est se soigner. Pendant que tu t'acharnes sur cette pauvre fille sans défense. Je te tue. Et tu vas mourir. Je peux pas changer de perso. C'est retour. Ah, j'ai une potion. Ya. Je t'ai percé à jour. Ta stratégie est bidon. Tu ne peux rien faire contre moi. Nyeh. Oh mon dieu, celle qui t'a tué quoi. J'ai tout fait tout le long et elle l'a achevé quoi. Cristal est activé. Nous sommes en 3D. C'est beau la 3D. C'est bizarre mais on va dire que c'est beau. Musique 16 bits. Ouais. Toc. Meurs. C'est quoi? Des cœurs! À présent, je ne mourrai plus en un seul coup! Aïe! Ville chauve-souris. Vous allez toutes mourir. Aïe. Mourir sous le joug de mon épée. Oh putain, quel que des calamars! Oh seigneur! Enfin, des octopodes là. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est des calamars. Des pieux, voilà. Je dis pas qu'ils sont moches, mais putain, ils ont des tronches. Polygone. Polygone. Ok, ce chemin était d'une utilité. Pourquoi faire une route s'il y a des cailloux qui entravent le chemin? Pourquoi? Pourquoi me faire du mal psychologiquement? Pourquoi me faire souffrir? Ah! Juste le sang. C'est une chauve-souris. Vampire. Ah ah, coffre. Qu'y a-t-il? Ah. C'est plus beau. C'est bien quand c'est beau. Allez. Ne nous emballons pas. Pierre dimensionnelle franchie. Ah oui, nous sommes revenus au début du jeu. Enfin, au début. Presque au début. Je me souviens. Ah oui, je me souviens. C'est la première pancarte, ça. Sauvegarde. Je ne peux pas détruire ce fichu caillou. Mais comment faire? Il doit forcément y avoir une solution. Nous devons marcher à la recherche de cette solution. Je peux pousser. C'est bien pour pousser des objets. Et je vais revenir vraiment au tout début du jeu, comme ça. On pourra pas dire que j'ai pas refait le chemin. J'ai pas cherché. Yeah. Ah. Voilà donc. Vie bonus. Ah, c'est sympa ça. Meurs. Donnez-moi des cœurs. Un peu d'amour, s'il vous plaît. Ouh. Un zoom quand on ouvre les coffres. C'est splendide. On se regarde dans un cours d'histoire du jeu vidéo animé que nous sommes des héros. Je peux pas passer. Quand j'étais enfant, je pouvais. Je peux plus. J'ai grossi. La musique se répète.
qui me reste dans la tête et du coup je dois la chanter. Oui, zoom. Ouah, une carte guêpe. Je suis trop content de mon de ma découverte quoi. Ouais, une carte guêpe, non mais. Faut se rendre compte de la découverte. C'est une carte guêpe, Didou. Ah ah. Et toi qu'est-ce que tu as? Oh si ça zoom à chaque fois que j'ai une pauvre carte ou une étoile. Trouver toutes les étoiles des vols en vrai, bah oui. Si vous zoomez à chaque fois, ça va vite me gonfler de trouver les étoiles. Nya, meurs poulpe. Oui, il m'a donné un cœur. Hein, hein, vite. Texture HD. Alors là, on est dans le top du top, le summum de la beauté. Ah ouais, c'est quand même vachement plus beau qu'au début. Si vous vous souvenez du début. Une étoile, c'est génial. J'ai même un nez et une bouche maintenant. Personne ne se rend compte de la chance que j'ai. Qu'est-ce que tu veux de les mines de la Noria? Ah bah bravo, bravo. Les mines de la Noria, c'est aberrant. J'ai pas regardé du coup ce qu'elle disait. Un monde en 3D. Waouh. Ouais, j'étais pas loin les mines de la Noria. Allez, on va faire les mines de la Noria et je pense que ça va. Ça fait déjà 21 minutes. Je pense que ça va être un truc. Bowser! Je pense que, ouais, en 10-15 minutes j'aurai fini. Ouais, 30 minutes la vidéo, c'est rare. En espérant que ça ira. Ah, chauve-souris. Bon, par contre, si je commence à traîner dans tous les couloirs du niveau. Les 30 minutes, on y dépasse large. Oh, pire de parler. Cette porte est fermée. Wouah! T'es trop forte. Sérieux. Je m'attendais vraiment pas à ce que tu trouves ça, quoi. Comment elle a pu deviner que cette porte était fermée? Pas juste un truc en acier avec des pics au-dessus. Des plaques à pression. C'est pas exactement Fortnite. Hop. Non, c'est clair, c'est pas Fortnox. Pop. Ouais, cette porte ne l'est plus maintenant, elle est ouverte. J'espère que t'es heureuse. J'attends une nouvelle constatation de ta part pour m'aider dans mon aventure. Même méchant fantôme, mage. Nu, je brûle. Meurs. Ah, j'ai esquivé. T'es mort. Il faut une clé. Je n'ai pas de clé. Ça sent le piège. Je le savais, pièce piégée. Ah, les villes chauves-souris. Ouais, bon, la pièce piégée. Pop. Ils apparaissent pas aussi bien que dans Zelda, quand même. Ne parlons pas non plus de qu'ils ont recherché, ils ont essayé de recopier totalement le truc. Ce sont des références. Comme les mines de la Noria, c'est pas vraiment aberrant, c'est une référence. J'en commence à gueuler à toutes les références squelettes. J'ai juste besoin d'amour. Ouais, mais moi je l'aime pas. Hein, m'a fait mal. Méchant, meurs. Voilà, t'es mort. Un peu déçu. Mais qu'est-ce que tu dis? Il y a de l'eau. Ah non, je vois quelque chose sous l'eau. Il doit y avoir un mécanisme. Voilà. J'attends à nouveau tes constatations pour m'avancer dans mon cette aventure périlleuse. Pas très dur à esquiver quand même. Waouh, j'ai ouvert quelque chose quelque part. Encore. Bon, j'ai pas vraiment ouvert quelque chose, j'ai augmenté le niveau des machins dans le labyrinthe. Ouais, bon, labyrinthe. Je suis sûr que je le passe en 2-2. En 2-2. Par ici. Yeah. Tu me touches pas. Je refuse. Peut-être les bombes, ce serait bien. Une clé. C'est pratique, elles sont toujours du bon côté des portes. Ah ouais, c'est clair. En y repensant. Une étoile ou une carte. Vas-y, je suis préparé. Une étoile. Je le savais. Ah. Méchante chauve-souris.
Vilaine. Ah ah, la porte de la clé. Pop. Ah, squelette. Méchant. Non. Non. Voilà. Alors, le squelette, je sais absolument pas comment faire. Je crois qu'il faut les tuer. Je vais le tuer sur le côté. Je sais pas si vous m'entendez m'acharner sur mon clavier pour touche, mais ça fait du bruit. Donc je pense que vous devez l'entendre. Voilà, cette porte s'est ouverte. Allez, Kairis, fais-nous la remarque. Remarque du jour. Hop là. Hop. Je suppose qu'il y en a une autre un peu plus loin. Allez, approche-toi pas. Nya. Youh, c'est ouvert. Je me sens bien, extase. Ouh, la grande salle piégée. Ouh, je le sens le piège. Ouh, tu le sens le piège. Tu le sens le piège. Tu as... Ah, trois. Ah, trois squelettes. Non. Laisse-moi vivre. Non, non, non. J'ai mis un coup. Touché. Allez, chacun son tour. Allez, il n'y aura pas de jaloux. Ah oh. Peut-être, je vais mourir. Voilà. Meurs. Meurs. On va m'appeler maintenant le carnage de l'outre-tombe. Interface HD. J'aimerais bien voir. Il y a beaucoup de monde dans cette pièce. Sur... Ah, j'avais pas vu, mais quelle interface! Oh, quelle beauté! Un trou! Ah, ouais, d'accord. Eh, le poulpe! C'était un peu trop explicite, mais bon. C'était bien vu. Il me semble avoir déjà vu dans les RPG de référence aussi. Gauche ou droite? Allez, je dis gauche. Ah, je hais ma vie! Maintenant, je dirai plus jamais gauche. Du coup, c'était droite. Nous sommes à 27 minutes de vidéo. Avec limite pour terminer le niveau. Tornade. Non, non, non. Ah, d'accord. La précipitation m'a mené à mon funeste destin. Il suffisait d'attendre. Oui, coffre. Un mage. Oui, ben, deux secondes l'énigme, hein. J'ai un mage à tuer. Ça ne te dérange pas. Voilà. Non. Mais méchant. Merde, j'ai raté. Voilà. C'était compliqué. J'ai eu du mal. Mon dieu, j'ai laissé les chauves-souris en liberté. Je me dois donc de les arrêter. Oh, des pics. Oh non, tornade. Non. Pas les tornades. Du désespoir. Alors maintenant, elles peuvent me pousser. Si c'est pas dans les pics, s'il vous plaît. Non, non, non! Aïe, aïe, aïe. Forcément, il fallait que j'y aille. Il le fallait! C'était une obligation. De la lave. Non, elle ne se transforme pas en obsidienne. D'accord? Nous ne sommes pas dans Minecraft. Je vais pas mettre de l'eau. Meurs. Méchante. Oh! J'ai un mauvais pressentiment. Attention que tu mets les pieds. N'importe! Quoi? D'accord. Méchant. Oh merde. Quel idiot. Ok. Ok. Par là. On peut avoir. Super sympa. Heureusement qu'ils en ont pas mis là parce que. Piège de feu. Ah non, non!
pas dans la lave. Donc là, on se prend 1 et 2 fois dégâts. Du coup, j'arrive pas trop à voir si s'ils sont à mon niveau ou pas, en fait. C'est pas super pratique. Voilà, s'il y a un boss, alors là, c'est la misère. L'hécatombe. On est d'accord que là, ça craint pour mes basques. Je n'ai qu'un demi-cœur. Une salle piégée. Oh bah oui, la totale là. Alors là, deux mages, 50 squelettes. Oui, 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 oui. Bruit ennuyant. Coffre. Qu'est-ce qu'il y a? La clé du boss. Bah oui, c'est, je suis prêt, mais bon, avec un demi-cœur. Pour tuer tout ça. Je suis pas certain du bon coup là. Non! Ça va mieux. Ouf, ouf. Ça va aller. Ça va aller. Hein, ça va aller. Il faut se dire que ça va aller. Lâchez-moi des cœurs. Merci. Ah, chauve-souris. Toi, moi, t'es pas dur à tuer. Oh, mais il y a trois. Trois. Sérieusement. Je n'ai qu'un cœur. Il meurt. Non. Non. Encore un. Non. Il y a l'autre. Il y a l'autre qui va venir. Non, 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 non. Mais c'est bon, il est mort. Meurs. Ah, je t'attaquais dans le dos. Un peu déçu. Non, non, il meurt. Laisse-moi tranquille. Enfin, c'est moi qui lui dis de me laisser tranquille, mais c'est pas trop lui qui s'acharne sur moi avec son épée. C'est un peu le contraire. Allez, meurs. Ouais. Je me sens trop puissant. J'ai un cœur pour tuer un boss. Ça va être trop rigolo. Un cœur et un cœur. J'ai plus de chances de réussir maintenant. Youpi. Allez. Allez, deux cœurs. Vas-y, porte, ouvre-toi. Tu ne peux point détruire ceci. Ah, il y a quelque chose là-haut. Bon, on a 31 minutes, donc désolé, j'empiète un peu. Sur quelques minutes. On ne sait jamais, quoi. Oh, mais c'est trop génial, une étoile. J'ai réussi ma vie. On ne sait jamais, parce que j'ai manqué des trucs. Imaginez, j'ai manqué les bombes. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'ai détruit un mur avec mon épée. Voilà. Ah, ça c'est gentil, ça. Ah, mais oui, mais j'ai pas toute ma vie quand même. Ah, mais c'était toi, il y a une présence, j'espère que c'était pas encore un horrible monstre. Pour toi, un monstre mignon. Un monstre mignon, bien sûr. On va se battre contre un petit lapin tout mignon. Quelque chose approche. Vous ne passerez pas. Il te ressemble. Est-il réel ou est-ce une ombre? Ah! Je ne jette pas des boules de feu, moi. Il doit avoir un point faible. Mais qu'est-ce que c'est? Nyeh. Salopio. J'ai tué tes chauves-souris, t'es un peu deg. Mais tu peux pas crever, s'il te plaît. Mais meurs, s'il te plaît, quoi. Non, mais subis au moins un... Bon. Où est-ce que j'étais? Oh, Seigneur Dieu. J'étais pas à la porte à côté, hein. Je n'étais pas du tout... Putain! La porte à côté. Bon, c'est vrai, je connais le chemin maintenant. Je crois. Mais tuez-moi, putain. Vous avez le droit de dire que je suis mauvais. Vous avez le droit. Je ne sais pas, je fais que des conneries. C'est assez lamentable, là, je dois l'avouer. Mais quoi par ici? Absolument rien. Oh, oh mon dieu. Non mais là, tranchez-moi la tête, je sais pas. Pour sauver l'honneur des gamers, parce que là... Je suis en train de ternir tout ça. Ah, pour une fois, j'ai réussi à aller beaucoup plus vite. Bon. Si
C'est la salle des 3 millions d'ennemis. Hein. Ah d'accord, ouais, je reviens. Ouais. J'ai pas besoin de retuer tous les ennemis. Ça c'est assez sympa. Mais bon, par contre, le mec, je sais pas du tout comment faut que je le bute. Qu'est-ce que j'ai bien pu manquer? Y'a pas un point de sauvegarde ici? J'apprécierais fortement. Voilà, je pense que c'est pas sauvegardé que je fais ça. Et là, réinitialisation. Non, c'est bon. Détruisons ce mur là. Je pense qu'il faut attendre plus tard que j'ai les bombes. Nous voilà de retour, sacripant. Je t'approche. Ne vous ne passerez pas. Elle te ressemble, tu es réelle ou est simplement une ombre? Ah, j'ai compris ton point faible. Approche. Non, tu étais là. Aïe. Mais non. Ah ah. T'es trop fort. Non mais... Mais non, c'est pas possible. Oh non. Oh non, j'y crois vraiment plus là. Ah, c'est bon, ça s'est gardé là. On est déjà 36 minutes. Bon bah désolé, cette vidéo sera plus du 40 que du 30 minutes. Pire, on peut la regarder par à coup. J'ai obligé de tout regarder d'une seule traite. Quelque chose approche. Vous ne passerez pas. Elle te ressemble, Flink. Ouais, voilà, je me suis tout ça. Ces boules de feu sont super chiantes, surtout que les hitbox sont... Allez! T'es massacré. J'ai vite été massacré. Aïe. En fait, c'est un peu plus. Juste récupérer ça. Je vais me coucher. Méchant moi. Allez, encore un coup. Et on est bon. Mais non. Voilà, par contre, pas. Non. Voilà, c'est mort. Méchant. Je t'ai vaincu. Allez, finissons-en. Qu'on puisse arrêter la vidéo. 37 minutes environ. Les bombes. Une épée légendaire. C'est l'épée de Cloud. J'ai l'épée de Cloud, les gens. En même temps, c'est un peu la moitié de mon nom. Enfin, la moitié. De l'air frais, nous avons atteint la sortie de la mine. Allons vite au village, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Bah écoute, j'en sais rien, mais on va jusqu'au village et on verra bien là-bas. Combat 3D. Allez, sort pour voir les combats en 3D. Avec des champignons carrément super beaux. Yo ! Je suis trop puissant. Alors elle me sert que dans les phases de combat. RPG. Ouais, RPG combat comme ça, tour par tour. Nya. Ah, j'ai reçu un SMS. J'ai reçu un SMS. Meurs. Ouais. Oh, il est où ton village? Ça va être très chiant déjà de chercher son village en fait, mais... Je vais pas m'arrêter en plein milieu d'une plaine, c'est un peu con. J'ai re-reçu un message. J'ai beaucoup d'admirateurs secrets qui m'envoient des messages. Non, c'est pas vrai. Oh, le village. Bien sûr! Oui, c'est toujours des combats juste avant qu'on arrive devant les attentations.
c'est évident. Allez, Kairis, fais mal. Je dis fais mal. On va pas se faire tuer par des champignons avec une tête aussi horrible. En plus, il s'appelle Zumba. Ça ressemble pas du tout à un autre nom. Absolument pas. Meurs. Bingo. Niveau 5. Décor précalculé. J'ai sauvegardé. Enfin, nous y sommes. J'espère que tout le monde va bien. Je suis encore corrompu. Cristal va suffire. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Abonnez-vous, mettez un pouce vert, tout ça. Puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sans doute la suite de Evoland. Et peut-être même la fin si j'en fais une aussi longue. En deux parties, du coup. Merci d'avoir regardé en tout cas, hein, et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien, salut tout le monde.